Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde. C'est un plaisir aujourd'hui encore pour m'avec nous pour me porter émission Mon Éditorial avec Yannick Pourou. Avant même de commencer l'émission, m'a profité souhaiter un joyeux 7 d'anniversaire avec un super branchon fanatique numéro 1 émission ça. C'est depuis le premier Grenoir chat monté dans sol là, était là. Donc aujourd'hui c'est l'anniversaire Marie là tout ça. C'est un super branché émission, donc m'a profité sur ton joyeux fête, continuer à être mon ouïe, mon positif ça, mon qui plein l'amour ça, continuer à grandir plus et continuer bon l'amour, l'amour pour inconditionnel. Donc je dis là, amuser au fait que on content, petit tour vraiment en pile en pile. Non ça qui gagne pour ouais avec dossier politique là. Eh bien matin là, colombien au lever des rangs de dans la rue. M'ta coûte tout monde qui pas joindre de manger. Oh oui, c'est Jean-Noël Dandéa. Puisque le gouvernement Ariel Henry a été planifié pour aller rencontrer avec vice-président colombien, qui c'est également ministre des Affaires étrangères colombien, qui c'est Marta Lucia Ramirez. Eh bien, à la dernière minute, vice-président pral décider annuler rencontre là. Li pral décider annuler visite li en Haïti pour venir rencontrer colombien yo pour cause d'insécurité. Nous jodi nous ça, sot ki ba imbécile ki ba prend. Gade janèk yo te facile pour yo planifier pour colombien rentrer en Haïti pour yo vinn touyer Jovenel Moïse. Et puis jodi an la, malgré colombien a lancé SOS, cri de détresse, y a lancé yo pa manger, yo pa traité yo bien, yo nan prison, y a maltraité etc. Ouais, vice-président pays yo, li même li tellement sensible pour sécurité yo. Donc dit colombien dans prison yo qui dans pénitencier, il pas trop care. Sécurité le plus important, la ville le plus important. Donc là on va le comprendre malgré tout ce attendé qu'a passé en Haïti là. Ou tant des colombiens a plein, colombien ceci, colombien cela. Gouvernement Ariel Henry li même li gagne à faire pas la planifier en bas. Donc ou même qui pas mettre tête sous des épaules ou ou même leur bon information ou pas partager information parce que semaine ça me pas comprendre fanatique eux même nous pas partager vidéo nous pas partager information yo. Donc information ça c'est information la république doit connaître yo. La république doit connaître qui ça Ariel la gouvernement l'a réglé qui coup de bas yo préparé pour continuer faire dans dossier assassinat Jovenel là. Donc là vidéo faut que nous encourager partager vidéo un maximum de partage un maximum de commentaires pour plus monde ka au courant de ça qui passe dans la République. Maintenant qui s'arrive le vice-président colombien a décidé li annuler visite que pour le faire en Haïti. Premièrement colombien a senti yo abandonné on le fois encore parce que yo te attend que le vice-président vini qui est à la fois ministre des Affaires étrangères dans le pays, que tu as pral gagner des dispositions qui tu as pral prendre avec le gouvernement, rien en rien. Disposition pour mener à l'hôpital pour bailler aux soins de santé. Disposition pour bailler aux meilleures conditions de traitement en dehors de la pénitentiaire nationale. Parce que y a plein de pas manger, y a plein de pas bien dormir, c'est à tel sous quatre abdomen, y a plein de pas bien, y a pas de l'eau, etc., etc. Donc, je dis en là, mais qui ça Ariel Henry t'a planifié dans deux peuples haïtiens? Mais qui ça Jean-Victor Généus t'a planifié dans deux peuples haïtiens? Alors que gouvernement ça va ouais, ou pas tout ça qui pour avec relation extérieure Ariel toujours paré pour le regarder téléphone ni pour le tweeter. Pendant mon a mourir de la cité soleil, Ariel pas dit en merde. Ariel pas dit rien, gouvernement pas dit rien, qui t'elle pas dit rien. Mais ou senti ça qui a passé deux pays plus préoccupé Ariel, li courir pour le dos, li vraiment peiné, li regretter sa crivé et ancien premier ministre japonais Shinzo Abe, li pote toute sympathie, li te courir aller dans l'ambassade là, la signé. Même ça, franchement, jusqu'à présent, nous ne pouvons jamais croire que la vie nous pas compter pour. Pour autorité ça pour dirigeant ça qui dans tes pays yo préféré chita là y a planifié bien net l'autre monde y a planifié et comment l'autre monde qui dehors pays ka vive bien parle de l'autre monde qui dehors pays ka vive bah ici non qui dehors pays comment yo ka bay possibilité yo ka bay accès avec officiel étranger yo vinn ba plus accès pour yo vinn babili en Haïti. Donc jodi an là derrière de tout monde en réalité planifié Ariel t'a planifié pour colombien yo jwenn meilleur traitement de la pénitentiaire nationale alors que nous plein haïtiens nous plein compatriotes haïtiens qui en dehors de la pénitentiaire nationale qui ont même yo nan même détention préventive prolongée ça
Gon paquet moun ki ale dans pénitentiaire nationale ki pa jam passé un fois devant juge, même le colombien ou beaucoup jam passé devant juge tout, mais pas oublier c'est même colombien ça qui saute la caillou qui rentre en Haïti, qui viole souveraineté pays nous, qui vient assassiner président pays nous. Donc jodi an la décider planifier non do peuple haïtien bagay comme ça, ça son affront. Est-ce que nous comprenons? Donc Ariel là c'est pas même la primature non qui mettait notre ça dehors. C'est journal colombien, oui. Journal colombien qui mette information dehors, qui fait qu'on est que ministre et vice-président et à la fois ministre affaires étrangères, là, li pas quitter Colombie encore pour rentrer en Haïti, vin ouais, personnel dans pénitencier. Mais pour Ariel, pour la primature, pour Jean-Victor Généus, nous pas jamais qu'on en merde. C'est là toute bagaille ta fin fait. Ou t'attendé au tabou et vice-président colombien te rentre en Haïti. Mais ou t'es quand même pas l'eau s'il t'a dans la pénitentiaire, s'il t'a rencontré mercenaires, etc. Parce que nèg sa yo, criminel sa yo, yo la y a marché sous moun, yo la y a pris décision toujours dans tête l'État pour nous. Et puis nous même, yo masqué nous, yo zombifié nous, yo prend tête nous, yo fourré le sac, nous pas comprendre rien, nous pas voir rien, nous pas attendre rien tout. Nous pas attendre rien. Donc là j'ai un genre de information ça faut partager pour tout le monde pour pays à connaître que nèg ça qui dans tête l'État soit pas être criminel yo et tout. Bon, là on a parlé de criminel, je dis on a parlé de gang, on a parlé de bandi. Ou obligé prendre tout l'État, ou obligé prendre toute administration publique. Là je dis c'est pas seulement et bataille cité soleil, Genève, GPEP. C'est pas seulement nèg et Kwale Bouquet qui bandi, canaran bandi. En dedans administration son paquet gang, son paquet bandi. Gardez qui s'écrivait. Hier soir là, la police dans l'ordre font un nouveau coup de filet. N'est-ce pas pensé au plus intelligent que tout le monde? Semaine passée, l'entendez, dans le port de paix là, ils ont saisi 122 000 cartouches. Et c'est le commissaire Michel Virgile qui t'a pris l'ordonné, qui t'a pris l'autre dépôt pour marrer présumé trafic en Zamio. C'est le même commissaire gouvernement Michel Virgile, ça. Que ministère de la justice, que Bertrand Dorsey, que ministre de la justice, t'a pral décidé de révoquer. DCPJ pral décidé hier mardi 12 juillet, arrêtez-le. Yo arrêté Michel Vigile, parce que Michel Vigile libéré trafiquant et présumé trafiquant d'armes. Mais Michel Vigile libéré parce que officiel en dedans ministère de la justice, t'es relèl. Yo officiel qui travaille dans le service juridique en dedans ministère de la justice, oui, t'es relèl pour demander libérer Nexayo. Donc, yo arrêté Michel Vigile. Moi-même, t'as rien, mais connais qui ça y a fait avec officiel ça en dedans ministère de la justice, toujours qui fait le pourquoi en bas code. Ça, sont l'autre. Quand y a entendu hier soir, la police nan mi nan port de paix font l'autre coup de filet, yo marre chercher le petit frère avec 25 000 cartouches. On chauffeur bus fait port de paix, Port-au-Prince, port de paix. Alors que à terre là nan moment, c'est gèk gen nan cité soleil, alors que nan moment, Kwale Bouquet en chaleur, Kwale Bouquet levé, nèg 400 maroze au levé, nèg canard a pété balle. Nous konn ki situation de tension qui gen là. Et puis, c'est moment de rentrer, c'est moment de munitions à rentrer, etc. Moi-même, je ne fais pas assez sous question si je vais vendre des armes. Ou regardez par exemple, ou pour un AR-15 qui a 600 combien de dollars américains à vendre dans l'armure. Et puis, c'est même un AR-15 qui a été arrêté en Bilako qui a fait connaître des armes qui ont vendu jusqu'à 3 500 dollars américains. Donc, dites-le tout bien. Jodi on zam qui a vendu entre 600 et 700 dollars américains aux États-Unis. Nèg la vini avèl en Haïti, li fèl passe dans marché noir. Par contre, li vini avèl en Haïti, la vendu 3 000 à 4 000 dollars américains. Et qui est-ce qui a acheté ce nèg qui a fait kidnapping? Qui est-ce qui a acheté ce nèg qui a volé marchandises? Qui est-ce qui a acheté ce nèg qui a entouré moun chef gang, chef bandit, etc. Donc, les nègres là font kidnapping, là, m'en de 100, 200, 300 000 dollars. Même là, j'en 50 000 dollars américains. Ligue bagay nan mel pour l'acheter 10, 15, 20 manches long. Et problème, gagne, bah, ouais, l'homme d'ailleurs, où la police font bel coup de filet, ou saisi, cargaison zam, cargaison munitions, m'content. Mais après ça, m'réfléchis, m'dis, ou qu'on a bagay yannick, pas faire corvé ça. Parce que en Haïti, nèg yo lo wè yo fò yo mouto yo fon bel coup de filet yo saisi cargaison zam cargaison munition après ça li ale joine met li ale joine bandi yo en bas parce que nèg pa bon nèg ki pral débousser l'argent là pral mette 20 30 000 dollars dehors pour l'acheter zam à munition rentre en Haïti pendant que le connaît sous 20 000 30 000 dollars pral fait 150 200 300 000 dollars
qui pas graisser mais corrompu que le t'es dans douane que le t'es dans des EPJ que le t'es dans ministère de la justice que le t'es en dedans tribunal que le t'es en dedans paquet qui pas graisser mes commissaires qui pas graisser mes juges pour au final pour rejoindre cargaison pour rejoindre marchandise c'est ça qui toujours passé parce que pas une fois ou t'as de toute cargaison qui saisit toutes armes la police saisit etc pas une fois où j'aime dans des côtés au fait destination finale là pas j'aime quand côté au fait yo pas des tuyaux yo pas des tuyaux yo pas j'aime d'où yo pral faire un tour avec la presse dans des côté au fermé pour au moins pour gagner assurance que zam ça là que munition ça là le vin tout mon corvé m'a d'où ça crivé là avec port de paix là yo OK yo arrêté Churchill avec 25000 cartouches OK mais 25000 cartouches ça après un mois qui côté n'a connait lié après un mois qui côté n'a connait lié est-ce que le pas dans zam dans cité soleil est-ce que le pas dans zam dans bazat samaozo est-ce que le pas dans zam dans servir parce que ba ça continue en fait est-ce qu'on comprend donc à terre là vérité en ce qui s'allie si vraiment l'état si vraiment autorité nous gain là les camper question trafic d'am là comment pour le faire m'abdou je dis ouais j'ai le facile pour zam rentrer sur États-Unis rentrer en Haïti mais est-ce que nous pensons que même facilité ça pour zam sortir États-Unis pour rentrer Cuba pour zam sortir États-Unis pour rentrer Venezuela pour zam sortir États-Unis pour y rentrer dans différents pays côté que États-Unis gon conflit pas baba avec yo à moins que c'est mercenaire qui est avec yo à moins que ces mercenaires yo veulent faire un soulèvement yo veulent jeter un régime le ça yo a joué tout civis pour faire zam rentrer mais lorsque question zam cap sur États-Unis rentre en Haïti yo fait de manière légale c'est pas bagaille qu'a fait ou dans des contrebande OK contrebande c'est parce que son monde qui fait rentrer de manière illégale mais zam ça yo rentrer sur États-Unis yo rentre en Haïti c'est comme si c'était légal puisque nous pas gagne aucune autorité qui a pris responsabilité qui a mandé la justice américaine qui a mandé gouvernement américain pour contrôler question trafic d'armes qui a fait vraiment entre États-Unis et Haïti est-ce que vous comprenez n'ego gagne plus intérêt pour trafic là fait pour joindre ristoun yo pour joindre l'argent vinn pour yo au lieu que yo prend disposition pour renforcer douane yo pour renforcer port yo pour renforcer poste frontalier yo parce que moi même t'a tande et père gardien maison d'œuvre qui t'a dit une fois il t'a ba interview sur Magic 9 li dou là sous frontière dominicain gagné dominicain avec haïtien qui a fait tronc y a troqué zam pour manger ça veut dire dominicain gagné zam haïtien li même li gagné manger yo bay li haïtien gagné zam dominicain gagné manger li prend etc. Yo fait ça. Le père de dit bagaille ça après sortant les mon dedans ministère de l'intérieur qui dit ah c'est parole c'est bluff mais pas jamais dou y a enquêté yo préféré dou c'est parole yo dou c'est parole et bien jodi a pour quantité zam k'ap passé dans poste frontalier yo là pour jodi an là faut m'ta t'entendre APN te gen t'en mettre là yo te gen t'acheter scanner pour mettre que le t'en dans Miragoane que le t'en dans Essemoc que le t'en dans Port-au-Prince que le t'en dans Lafito oui que le t'en dans Cap oui. Non tout point frontalier ça au point douanier ça faut te gagner et scanner oui mais non yo préféré au dou agent douanier fouiller c'est même corrompu pour en pile là-dedans yo qui sont ouais pendant la police a honoré agent douanier yo et puis DCPJ voye vinn marier commissaire gouvernement yo vinn marier et vieux Jules qu'on y a qui ça gagne moi prendre pas d'avoir venir pour marier vieux Jules là bon paquet avocat qui vient défendre vieux Jules qui dit pas marier vieux Jules etc. parce que vieux Jules commissaire gouvernement c'est l'ordre lité jeune qui sorti directement dans Port-au-Prince pour te libérer de présumé trafiquant yo donc pour qu'on y a m'apprendre que vieux Jules l'a fait si route là pour rentrer Port-au-Prince pour venir DCPJ pour venir répondre question enquêteur DCPJ vérité c'est qui s'allie vérité c'est que nèg Port-au-Prince pas gagné volonté pour résoudre question trafic d'armes. Ja. Et même dans le bagaille, c'est tellement en dehors de la justice nèg corrompu. Dans le commissaire gouvernement, il connaît parfaitement bien. Il n'a pas gagné droit pour obéir avec un lord qui manifestement illégal. Ou arrêter nèg là avec d'armes, tout bon ou d'armes, ou balio ou d'armes. Donc, le fait que tu as dit mettez nèg ça dans dépôt, c'est de présumer trafiquant d'armes. Ou même encore choisi libérer, même là c'est pression au tabac ou même là c'est l'argent au tabac ou aujourd'hui en là faut ou accepter que coupable au même titre que trafiquant de drogue ou coupable au même titre que officiel ça en dedans ministère de la justice qui était bon l'autre ça
qui te passe au l'ordre pour libérer les gens. Parce qu'on passe mon pitou, traverser la rue pour corps, ou manger pour corps, ou qu'on est pour les mon trafic en zam, ou qu'on est pour mettre yon en prison, ou qu'on est encore pour libérer yon. Je dis en là, l'heure pour prendre responsabilité, l'heure pour assumer photo, ou t'en gèt en jouen moun kap pote bourré, kap vin rele, oh non, pap marre commissaire vigile, etc. etc. Moi, le zin sa te éclate jou samedi, te bon moun ki courrier crime ki dit, ah, commissaire vigile, bon moun ki dit commissaire vigile, son trafiquant zam, etc. Commissaire vigile, son commissaire lié, son moun ki pa ganyen pou loué, son moun ki pa ganyen pou reproche, son moun ki clean. Je dis, la m'ta rime. Pita la, fome kri zan misa pou mandel, est-ce que c'est le même commissaire vigile ça? Li tap pa li ya. Est-ce que nous comprenons? Donc, nous pas jamais vraiment, nous, ouais, autorité, ouais, nèg ki nan l'état, nèg kap travay an dedans système ça là, pa ple de pou yo. Parce que ça nèg la nou jodi an la, si on le pose jodi an, pi devant ka fon l'autre bagay ki kontre yo. Parce que nèg ici tellement remè l'argent, nèg ici tellement remè pouvoir, tellement besoin pour yo rete nan poste, yo rete nan fonction, pa ganye yo pa fè pour l'argent. Pa ganye yo pa fè pour pouvoir. C'est même Jean ouais, jodi a yo kap cité nou Ariel Henry nan assassinat président Jovenel Moïse. Si Ariel pas trop attaché avec pouvoir, pensez jodi a nou Ariel tap la. Si Ariel pas très même pouvoir, ouah. Donc gen moun la jusqu'à présent yo pensez c'est machination politique, c'est forme de Ariel yo pa rime, c'est vle yo pa vle ouais chirurgien etc. qui fait kap cité don nan dossier assassinat président Jovenel. Mais non, la vie n'est pas jamais les antifaits. Qui sont à faire avec Badjo? Comment fait Badjo te vin la kayou? Comment fait tere le Badjo te prend appel Badjo, etc.? Vous comprenez? Donc, je dis à la vérité, c'est qui s'allie. Gouvernement haïtien, l'État haïtien te planifié pour Colombien yo rencontrer avec autorité la kayou, autorité dans le pays, yo vice-président Colombien. Donc, pour yo faire qui ça? Pour yo garder dans qui mesure yo ka changer condition la vie yo dans prison, accompagner yo, ba yo soin, etc. etc. Alors que petit, nos compatriotes, nos frères et sœurs, mourir en dedans de la pénitence nationale, yo pas jamais bon juge qui tende yo, yo pas jamais bon juge qui mande yo, ça yo pas pour vendre, ça yo pas pour vendre, et puis jodi an, c'est même criminel ça yo qui en dedans l'État, qui a organisé rencontre pour présumer criminel pareil yo. On nous prend petit peu de temps, on a retourné avec dossier. Oh oui, gon gèl la clé en dedans gouvernement Ariel Henry, oui. Même signataire encore en septembre parce que André Michel li pété coquin là, jouet la marqué sans tout civisme. M'pa konnen c'est parce que yo remarqué qui tension qui gen dans la rue là, Port-au-Prince gen gros tension. C'est comme si gasoline nan nan men gouvernement Ariel Henry, mais ali met la c'est dans men peuple en lié, c'est seulement tiété celle n'ap tann là pour Ariel Henry connaît tout le monde qui ça qui veut dire peuple haïtien. Qu'est-ce que ça veut dire l'haïtien? OK? Parce que nous gagne bien longtemps n'a grien dans avec pouvoir. Nous gagne bien longtemps n'a grien dans avec présumé criminel ça qui dans tête l'état. Moi même m'a regardé une vidéo côté André Michel te promettre on pral gagne une commission là qui pral monter et etc. pour yo rétablir sécurité en dedans pays pour yo pacifier pays en bien côté lui. Après poison regard m'a tourner pour m'bot tout détail sous cause André Michel là. Gebon c'est une formulation qui fait à partir de 13 plantes médicinales qui gain pour nourrir corps, réparer cellules, augmenter énergie physique et mentale, compenser carence en nutriments, liquéfier sang pour permettre une meilleure circulation dans l'organisme. Bi principal li c'est produit hormone testostérone qui pral augmenter libido et qui pral augmenter désir sexuel. Genzouti c'est une crème qui formulé à partir de produits naturels. Objectif lui c'est augmenter élasticité dans tissu spongé pénis là qui c'est peau pénis là et en même temps li gain pour nettoyer corps caverné pénis là qui c'est veine pénis là. C'est tout des actions ça yo qui pral permettre les pénis là en érection li pral ka recevoir plus sang et puis li pral détirer dans longueur ak nan largeur. André Michel décide là li levon zin en dedans gouvernement Ariel Henry. Pas oublier 5 juin 2021, président Jovenel Moïse était pour un décret côté que li te bay décharge avec tout ancien premier ministre, tout ancien ministre de 7 février 91 à 7 février 2017. Li te décidé tout moun ki gwa avis favorable nan men yo pour yo ba yo de charge. Mais qu'on y a qui ça qui rive? Pas oublier, dans même gouvernement de 91 à 2017, nos quantités de gouvernement qui passait, premier ministre Ariel Henry,
Ariel Henry jouait rôle ministre sous Mantelli, Ariel Henry était ministre sous Préval, etc. Donc je dis là, voilà que Ariel Henry premier ministre dans le pays. André Michel a demandé pour Ariel Henry rapport ou bien rentrer décret ça que Jovenel te prend en juin 2021. Mais posez-toi toute question. Est-ce que Ariel Henry t'a aussi fou pour ta rapporter décret ça alors que décret ça lui jouait en faveur même Ariel Henry? Li joue en faveur Ariel Henry parce que pendant de 91 à 2017 Ariel Henry était occupé plusieurs fonctions ministérielles. Donc on y a l'André Michel prend prétexte que c'est un point fort qui fait SDP en dedans accord en septembre blanc. Kounya c'est rimoun et gouvernement Ariel Henry ori, parce que yo estime là André Michel commencer li commencer à adéquat puis commencer à quitter ligne parce que pas y a aucun intérêt là pour Ariel Henry à rapporter décret alors que décret li jouer en faveur. Donc kounya si Ariel Henry ta rapporter décret c'est au même titre que tout l'autre moun sa yo qui pa gen d'échange qui pa ka recevoir d'échange Ariel Henry li pa t'ap gen aucune légitimité pirade pour occuper pour que fonction pour l'occuper poste premier ministre qu'on y a le André Michel li fait tweet pour dire pour Ariel Henry rapporter décret ça son exigence accord septembre ça son exigence que SDP fait avec Ariel Henry avec gouvernement Ariel Henry qu'on y a bagaille là vinn jouer en défaveur SDP parce que la majorité moun qui entoure gouvernement Ariel Henry non tant lointain non passé lointain yo te fait partie de gouvernement yo te joué un rôle en dedans d'administration publique là yo pral depuis yo pral vinn prendre un grain soulier parce que moun sa yo tout y a besoin des choses. Donc kounya tout moun c'est dans yo grain André Michel yo André Michel c'est tout la fait passer puisque André Michel ouais peuple a commencé prend goût misère à tout bon yo commencé prend goût insécurité question est terminal Varoy qui ferme là depuis plus passé une semaine là gaz pas ka sorti tout monde vinn dans situation moun nan d'accord pour acheter galon gaz en 1250 goud kounya même 1250 goud li ka nan men là même galon gaz il pas ka joine parce que pas gen gaz qui sorti en dedans Varoy pour aller à distribuer et hier soir m'a regardé ça qu'a fait au caï m'a regardé comment y a saisi gaz dans au caï et ben qui terrible ouais haïtien nous pas jamais comprendre que pays c'est pays nous lié tout bon. Nous ne pouvons pas comprendre que pays c'est pays nous. C'est nous-mêmes qui pouvons responsabilité nous. Si nous prenons les barres, nous prenons les Charles Barré, nous n'avons pas qu'un dirigeant qui vole, nous n'avons pas qu'un dirigeant qui compte, qui gagne, qui n'a relation avec Bandi. Nous n'avons pas qu'à faire même avec eux. Gazan, c'est notre pompe gaz avant. Malgré que la situation est difficile, c'est vrai pour nous. Il y a grand coup, il y a misère de tous côtés. Malgré que je dis ou prend gaz à la pompe là gaz à 450 dollars ou prend ou elle vend ni dans la rue et 1250 dollars et 1000 goud ou font monnaie sous lit mais maintenant tout situation pas arrêter comme ça ou pas arrêter pour vivre et pour vivre en dehors de la loi en dehors de prescription en dehors de limite tout faut que nous connaissions qui ça limite nous gaz en prend mettez le nom stocke l'autre côté la fait du feu la fait explosion la mettez danger gaz là prend le vendre dans galon la police a couru dehors il y a battu etc. Donc premier gaz dans la vendre dans pompe tout le monde a possibilité pour acheter gaz à même prix parce que mon nous fait acheter gaz à 1250 gouttes dans la rue c'est pas oligarque non lié c'est monde qui semblait avoir oui c'est monde qui dans classe moyenne avoir monde qui a battu pour faire même genre avoir lié ou mettre dans tête pour le courir faire 100 dollars 150 dollars sous lit et puis là vous pral rose mais là fin manger 150 dollars qui sont pral rester ou pas prêter rien encore ou tourner derrière encore donc haïtien pas jamais mettre ça dans tête li si vraiment nous voulons pays avancer moun ki devant on pas ka praler derrière moun ki devant on c'est pousser pour pousser le devant là pour son moun devant faire avant ou même qui te derrière faire avant tout mais là on moun devant on praler pour faire bac et bac pour faire plus loin c'est bac pour faire plus loin c'est plus misère plus grand goût plus insécurité n'a créé en dedans pays hein bon façon pour comporter bon façon pour y aujourd'hui par rapport avec problème qui est là. Et c'est conscience ça pour nous prendre, oui. C'est conscience ça pour nous prendre. Parce que chaque jour de vie, nous avons conscientisé les Haïtiens. Faut que nous le récupérions, faut que nous révoltions, faut que nous révoltions. Mais faut que nous nous vérité en janvier. Aujourd'hui, là, où on voit un voisin qui a fait progrès, où un voisin a fait un business, au lieu où faire de faire promotion pour le business pour l'avancer, qui sont fait? Ou préférez voir les gangs sous nos pieds, là, tout yel.
Ou préférez alors car on boit quoi pour un poudre, venir mettre pour lui, etc. pour tout yel. Alors que musicien tout yel pour nous pas capable. Musicien tout yel pour lui ou pas capable venir faire ou pas gain moyen pour faire dans place. Donc est-ce qu'on a un problème là? Faut que nous apprenne pousser moun qui devant nous pour nous même pour nous ca avancer tout pour nous ca aller de l'avant. Mais là nous rete non logique, n'a pas aller moun qui devant faire le bac. Là faire bac vrai ou même kotoye ou vinn pi mal. Ou vinn plus nan ou nan plus misère, plus grand groupe, plus chômage, plus insécurité en dedans pays. Et par rapport avec ça crivé nan cité soleil là là, nous connais là depuis une semaine là, c'est guerre pété dans cité soleil, G9, G-Peuple, qui gros alliance qui fait en bas. Nèg Boston, Belécou, etc. G9, G-Peuple, nèg Bouclinio, mette avec nèg 400 Maozo. Vin mande sa 400 Maozo fè la. Eh bien, guerre dans Cité Soleil, là, son guerre qui allait, et son guerre extraterritoriale. Cité Soleil, non périmètre. Guerre ça à cause allié qui gagne alliance qui fait avec l'autre groupe gang qui pas dans périmètre centre-ville là. On va saisir ouais nèg 400 Maozo vinn porter secours vinn prêter main forte avec G-Peuple. On va saisir dans des villages vinn prêter main forte avec G-Peuple et puis c'est comme ça bataille là li éclaté en dedans Cité Soleil. Kounye a gen moun ki di son bonne nouvelle. Gen moun ki di tout c'est manigette, c'est bluff et c'est rebon. Boulos c'est restay boulos ça fait puisque là gen Reginald Boulos qui décidé mettez Claircine, mettez Delimat qui Claircine là à la disposition de peuple habitant Cité Soleil, de monde qui a vivre dans la cité. Parce que qu'on est là, gros paquet et réfugiés, haïtiens tourner réfugiés dans propre pays. Boulos prend décision ça. Non seulement prend décision pour le faire de Delimat qui Claircine là un abri provisoire pour mon Cité Soleil, mais tout li décider pour le bas en bon d'achat 3000 goud avec chaque monde, chaque famille qui au même qui dans problème qui en dedans et abri provisoire. Donc à te ala gen moun ki dou c'est politique boulot ça fait c'est pour yo ka blié que li gen présomption culpabilité sous dol que le c'est une présumé criminel qui touye président Jovenel Moïse qui financer assassinat président Jovenel Moïse. Chaque moun comprend ni en façon, mais jodi an la vérité c'est qui salie moun nan Cité Soleil nan besoin, moun nan Cité Soleil gen nécessité pour l'état haïtien ta accompagner yo. Et wap gade m'pa konn sou wè ça guerre qui éclate nan Cité Soleil là. L'État fait comme si vous n'attendez, la police fait comme si vous n'attendez, la justice fait comme si vous n'attendez. On dirait que vous quittez les gens pour vous entretuer, pour vous tuer l'autre, pour vous manger l'autre, et puis là vous finissez à venir lever le cadavre, vous faites une force commune, vous enterrez ça pour vous enterrer, etc. Donc, moi-même, la situation est extrêmement compliquée, elle est déplorable. Et ou même dans le contexte que vous avez gardé l'autorité de la Cité Soleil, vous avez gardé le magistrat de Cité Soleil, j'en ai eu. Grand monde lié, grand monde n'a pas créé des rendez-vous dans la rime. Pété crié parce que lui-même il pas capable vendre encore, lui inconsolable, il pas capable faire rien encore pour mon Cité Soleil, il pas capable faire rien pour peuple Cité Soleil là. Bandi yo pas garder pour pau patate, yo pas prendre pour rien dedans commune là, et c'est gravissime. M'a quitté avec magistrat Janéus qui lui-même gros paquet de bagaille pour raconter dans guerre ça qui éclaté en dedans Cité Soleil. On même attendé dans plus haut niveau gang là capoter cartouche d'aide pour mon. Dès que vous avez une cartouche avec mon illégal, vous avez une zame. Illégal, c'est gang. Maintenant, dans le niveau gang, plus haut gang, bah, Cité Soleil aux chances. Plus haut niveau gang, bah, Cité Soleil aux chances. Cité Soleil, monsieur, allons surtout. Jeune garçon, mal bon exemple. Non, nous sommes quittés là. Qui jeune garçon fait 2 ans à l'université. Vous avez une mise à un professeur mathématique. De. Gros professeur, monsieur. Gros professeur. Ça, je dis à la, jeune garçon, ça va être pitié. Il va pitié dans la mathématique là. C'est des élèves de faire dans l'université. Il va pitié. Mais m'a demandé une chance. Dans le plus haut niveau là. Mais c'est Cité Soleil tout nous-mêmes. Pour si qu'elle conscience. Nous c'est moun. Nous pas mouche. C'est nous qui avons mouru. Gros papouche. Gros babignon. Rétez la caillou. Y'a mangé. Y'a bré. Gros gagnon. Gros zébé de yo. Gros volé. Gros zébé de yo. Cap de son zam Cité Soleil yo. Pour qui ça va faire, monsieur, ça au mari à petit yo. Parce que nous avons pour troubler un groupe moun. Faire au mari à petit nous. Y'a voyage tout. Il y a des couvertures sur tout. Nous trois méchants, messieurs. Dans quel bon pays, dans gauche, dans quel bon pays, dans la misère, dans la classe, dans quel bon pays, il y a fait le souffrir. Pour nous, continuons à souffrir. Avec foi, nous accédons, messieurs. Bonjour, Madame. Pas créer magistrat,
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la rubrique Espace International. Là. Moi c'est Maken Love, Glorgens Guerrier. Je suis là avec vous pour vous présenter la rubrique ça. Merci parce que vous connectez ensemble avec nous. Et sur scène internationale là, pendant la période ça, il y a plusieurs actualités qui passent pas dominer. Et surtout situation que qui gagne entre la Russie ensemble avec l'Ukraine et la Chine avec les États-Unis. Mais je dis à nous venir pour venir parler d'une question extrêmement importante qui lie ensemble avec ça relie la diplomatie vaticane. Diplomatie vaticane ou bien diplomatie papale, c'est diplomatie que l'Église catholique Saint-Siège lui-même limité sous scène internationale là comme stratégie pour permettre que le capable qui contrôle ou bien rentrer dans mission l'église qui lie ensemble avec évangélisation ensemble avec question formation et implication dans social etc. Donc ça yo même yo mettez en place par Saint-Siège des lignes côté que gain petit flanc lui-même qui définit ligne stratégique diplomatique yo côté que gain des représentations diplomatiques qui fait dans plusieurs pays tant que gain des prononces gain nonce apostolique qui représentait globalement Saint-Siège dans pays ça. Alors, gagne une situation qui évoquée au Nicaragua depuis pas mal de temps nous connaît gagne Nicaragua lui-même qui trouvait dans espace du dos géopolitique dans conflit ouvert côté que gagne président Daniel Ortega lui-même qui était annoncé dans fin année 2021 côté que yo t'a retiré Nicaragua dans OEA et yo fermé automatiquement base et organisation panaméricaine lui-même qui trouvait lui en Nicaragua côté que il était déclaré comme une organisation diabolique gouvernement Nicaragua lui-même était vraiment sorti dans OEA côté que il était qualifié et institution ça comme une sorte d'instrumentalisation par l'Occident qui a essayé manipuler les pays qui gagnent dans région et ont même été quitté OEA. Donc depuis là ça pays membre OEA même le fait que Nicaragua pas vraiment respecté processus pour que lui-même était capable quitter organisation yo était wali comme un état voyou, un état qui a bafoué droit démocratie et puis l'Occident et globalement tout a fait face ensemble avec Nicaragua sous des stratégies qui lient avec question de diplomatie et pourquoi pas démocratie côté que y a montré que au Nicaragua vraiment pas gain respect droit de l'homme c'est un état qui vraiment a utilisé des systèmes durs pour système de répression contre population pali donc surtout en 2018 pays a lui-même yoté secoué par une totale contestation côté que yoté exigé démission Ortega qui était financé selon ça qu'une gars fait confiance avec information yo par l'Occident côté que te gagne Guerrero Sandinis de qui gagne 76 ans et qui c'est Nicolas Ortega qui en tête président et pays ça yo te voulait que globalement pour te capable garder comment yo te capable mettre monsieur à terre et ça lui-même t'a pas le fait plus passer 300 morts avec en pile monde qui blessé en pile opposant politique qui arrivé aller dans prison c'est ça défenseur do amoun yo même yo fait connaître donc président Daniel Ortega lui même il toujours à la tête de pays ça côté que gagne en situation qui vraiment est évolué en Nicaragua côté que yo prend décision contre et l'église catholique depuis quelque temps il y a des monde qui dit que c'est contre l'église catholique globalement que yo et Nicaragua ou bien Daniel Ortega lui même il gagne un problème mais missionnaire charité eux même yo rivé expulsé au Nicaragua côté sœur mère Teresa yo même yo expulsé mercredi 6 juillet qui s'est passé là côté que parlement yo même yo jugé que activité illégale que yo même yo a mené qui ça a été présenté comme même gens qui ont pris l'ensemble avec plusieurs ONG dans le pays, ils ont pris des décisions pour permettre que soient capables de rentrer dans la logique pour être capables de garder comment l'Église catholique qui parle lui-même par chiffre d'affaires ou bien par rapport finance sur qui côté l'argent sorti et qui ça qu'il a fait ensemble avec l'argent dans le pays.
Parlement lui-même ensemble avec président, il dit c'est eux-mêmes qui chef dans pays, c'est eux-mêmes qui doivent mettre l'ordre dans pays. Mais l'Occident lui-même, yo well, c'est comme quoi c'est un opposant, c'est voulez ou pas voulez well, l'Église catholique qui fait que utilise stratégie ça contre lui. Donc malgré tout, missionnaire charité eux-mêmes qui était présent et en 1950 dans pays ça, yo obligé contrainte pour capable quitter pays et yo quitter Nicaragua vraiment côté que yo al courir al réfugié en Costa Rica. C'est ça information même yo fait connait. Donc t'a gagné en mars qui t'est passé et déjà nonce apostolique là monsieur monseigneur Sommertag lui-même qui était expulsé dans pays là, ça t'est venu ensemble avec un paquet incompréhension sincère sur dossier là. Il t'a dit yon mesure pareil, il paraît incompréhensible, souligner vraiment communiquer Saint-Siège Jean parce que mission monseigneur Tag lui-même c'est travail ensemble avec un profond dévouement pour permettre que yon capable aller dans le bien de l'Église et avec peuple nicaraguayen et en particulièrement pour capable lutter contre vulnérabilité et pendant que y a cherché pour regarder si on a favorisé bonne relation qui existe entre Saint-Siège ensemble avec autorité nicaraguayenne. Donc tension ça yo et c'est presque notre cap dit même bagaille là qui a passé en Haïti parce que yo même yo dénoncé le fait que l'école et sœur yo même c'est eux même qui pichent dans pays là pendant ce temps que pays là lui-même il a fait face ensemble avec une crise économique difficile et comme l'école yo c'est tête nègre en même genre ensemble avec en Haïti nous connaît Saint-Siège et concordat ça qui était signé ensemble avec l'état haïtien avec l'Église catholique qui était baou opportunité pour permettre que t'es capable venir concordat de 1861 sous président Geffra qui signé vraiment qui était bail et qui était base légale pour l'Église catholique romaine lui-même est capable et prend pays là nous capable dire en otage gens que lui-même il a fait là parce que nous connaît déjà même situation qui a passé en Nicaragua c'est lui-même qui a passé en Haïti façon que l'Église catholique lui-même il a manipulé utiliser franchise douanier pour faire l'autre action qui pas rentrer dans attribution selon dernière information qui était sortie surtout sous président et Jovenel Moïse ensemble avec premier ministre Henri Séan et scandale là lui-même il était pété sous question franchise et diplomatique qui était accordé ensemble avec l'Église catholique et également gain ça relié et l'école congréganisio c'est yo même qui piche or dans concordat yo était venu pour capable évangéliser ensemble avec Estumon et donc ensemble avec support l'état donc yo t'a supposé vraiment l'école qui t'a pi ba pris dans pays a parce que c'est non son nom bon Dieu c'est ça que même yo t'est venu pour faire évangélisation et puis servir leurs hommes donc ça t'a doué yon stratagème pour permettre que yo capable attirer plus petite bodie yo capable venir former tête. Donc situation li compliquée, nous après temps pour nous garder comment évolution a fait. Est-ce qu'en Haïti tout nous pas un gouvernement fort qui a gagné pour capable dire OK. L'Église catholique maintenant qui domaine d'armement intervenu dans le cas contraire attendez ça a passé pays à son pays laïque lié l'Église catholique c'est pas lui-même qui base fondal natal Haïti donc nous ou pas qu'à continuer gens pas avancer là nous après temps pour regarder évolution entre-temps sous scène internationale là il y a l'autre évolution qui fait entre la Chine ensemble avec américain donc la Chine lui-même qui exigeait vraiment une fin dans question collusion qui capable gagner militaire entre américain ensemble avec question Taïwan et qui posait en pile problème la Chine lui exigeait que les États-Unis lui-même lui camper et collusion militaire là pendant une réunion virtuelle que était gagné ensemble avec chef d'état-major conjoint et deux pays relations eux-mêmes il est venu de plus en plus houleuse en une situation côté que général Li Shuqing qui déclarait et côté que général Mark Milley lui-même que la Chine li pas gagné vraiment compromis qu'elle pral fait sur question Taiwan donc son question qui vraiment important parce que intérêt fondamental la Chine lui-même li inclut Taiwan là-dedans et que Pékin lui-même lui revendiqué depuis pas mal de temps comme propre territoire qui est annexé par force et libre pour le capable annexer le même par la force si ça nécessaire. Donc la Chine lui-même lui exige que les États-Unis lui cessent pour le capable inverser histoire là parce que lui dit clairement il y a une collision militaire américano-taïwanaise et pour permettre que capable éviter et affecter relations sino-américaines et stabilité qui capable gagner dans détroit Taïwan c'est ça que lui-même lui déclaré l'armée chinoise lui-même est toujours prêt pour capable sauvegarder résolument souveraineté nationale avec intégrité territoriale là
C'est ça que eux-mêmes ont déclaré dans réunion qui était faite côté que ils ont essayé garder comment ils capable parler et à propos de un langage qui plus ou moins capable résoudre problème là sans que ils parlent utiliser la force ou bien question et défense pour permettre que ils capable prendre et contrôle Taïwan. La Chine régulièrement lui-même lui toujours poter et essayer faire intervention ça avec avion de guerre auprès de Taïwan pour annoncer vraiment menace d'attaque que lui-même ministère de défense lui-même il capable faire à n'importe quel moment sous l'île là et avec avion de l'air que et la Chine lui-même qui a gagné pour capable franchir ligne médiane du détroit de Taïwan qui divisé en deux côtes en deux côtés côté que position américaine lui-même il opposé face avec position la Chine et situation ça lui-même il juge nécessaire vraiment pour capable finir ensemble avec bataille qui gagne géopolitique dans région ça surtout l'en connaît et bataille qui a mené côté que les Wayne lui-même il accusé les États-Unis côté qu'il a essayé pour capable détourner soutien pays dans région Asie Pacifique là pour capable retourner contre Pékin afin que pour Washington lui-même il capable chercher vraiment à avancer et propre intérêt li dans région hein, sous couvert de multilatéralisme situation lui-même il peut être compliqué côté que même dans réunion Singapour ça Austin lui-même il déclaré que la Chine a provoqué une instabilité avec revendication Taïwan là donc avec activité militaire à coup qui capable gagner dans région ça. Bataille géopolitique là, il continue sur toute planète là, c'est tout côté les États-Unis jeune pour capable target la Chine qui a monté en flèche et li a essayé continuer utiliser méthode ça en façon pour garder comment li capable résoudre problème ça une fois pour toutes pour mettre Taïwan lui-même chita. N'a pas rappelé que la Chine lui-même lui refusait vraiment critiquer agression que Moscou lui-même lui fait et pour qualifier d'invasion en Ukraine côté que les États-Unis passent suspendre à bail la Chine pression pour capable positionner ou bien désolidariser lui ensemble avec la Russie. Situation lui-même lui continue guerre là lui continue et gain plusieurs monde qui commencer qui continue à mourir plusieurs monde commencer à parler comment yo pensaient que guerre là les mêmes les capable finir mais là encore nous beaucoup là parce que nous apprêtons vraiment et qui dernier déclaration qui pral faite parce que faut gagne en réunion qui fait globalement si vraiment nous t'ava espérer gagne enfin qui capable gagner dans conflit ça entre-temps et pas que yo même continuer énorme sur monde là c'est que même en Haïti question monte Gaza dans pays a c'est aux conséquences directes de guerre ça parce que nous même nous pas produit pétrole en plus que nous même nous continuer à faire rara dans la rue et avec question insécurité a gang cap goumen dans pays a qui dirigeant qui chita qui a observé même gens ça avec population comme spectateur donc c'est ça merci parce que nous t'es connecté avec nous c'était Makin Love Glog direct là avec nous pour présenter rubrique ça je dis à bon rendez-vous une autre fois encore pour une autre rubrique bye bye. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, ou et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits. Mon éditorial, on dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, que chez Chanel par là, pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la balle et nous prenons le débat.